Sinon, le cours d'anglais était plutôt très interactif. Je la trouve assez relaxe pour une femme de cet âge et on comprend aisément ses cours. Qu'est-ce que tu en penses? À vrai dire, certainement pareil que moi. En plus, elle est gentille. Ça doit être une maman assez chouette, genre, ses enfants n'ont pas à se plaindre. C'est sûr qu'ils ont une maîtrise parfaite de la langue anglaise. Ah oui. Tu penses qu'on aura droit à une pause aujourd'hui? Vu qu'on n'a pas pu terminer le cours hier. Mais de toute façon, elles sont toujours trop courtes ces pauses. J'aimerais bien qu'on leur allonge un peu. Ou non. Assez. Non, plutôt beaucoup. Comme ça permettra qu'on se relaxe un peu et pas juste qu'on ait le temps de prendre une petite bouchée de rien du tout. Non, mais qui est-ce qui peut prendre un vrai repas en si peu de temps? Pas moi en tout cas. René, tu parles trop. Si tu m'écoutais, alors je pourrais te le dire. Et là, enfin, tu le saurais. Ah, il y en a marre de tous ces calculs. T'es pas fatiguée, toi? Moi, si. Et je vais faire une pause, d'ailleurs. Sinon, ma tête, elle va exploser et ce sera pas beau du tout à voir. Mais je me demande à quoi peuvent bien servir des formules et des calculs pareils. J'aimerais pas avoir à faire ça tout le temps. Alors que la biologie, par contre, c'est passionnant. C'est la vie! Ça, oui. J'aimerais bien en prendre un petit bout tous les matins. Ah, Jason! Ah, merci. Tu m'as l'air d'aller plutôt bien. Pas la peine de demander, je vais bien moi aussi. Tu sais, le nouvel enseignant, il est super jeune et super mignon. Mais moi, je m'en fous de lui. Et comme toujours, Regine l'a encore impressionné avec ses always correct answers. Ah, et ce Yohan qui est trop timide pour lui avouer ses sentiments. Oui. Comme, Julie a failli se taper la honte. Arrête de jacasser. C'est tout aussi bien d'observer de temps à autre. Julie a failli se taper la honte de sa vie aujourd'hui. Elle a bien échappé, c'était moins une, je t'assure. Tu vois cette habitude qu'elle a de se prélasser avec son copain pendant que l'enseignant est face contre le tableau. Cette fois, il s'est retourné pile au bon moment. Mais heureusement pour elle, sa copine de banc l'a prévenue juste assez tôt et l'enseignant n'a rien vu, mais alors rien du tout. Ce qui peut être saoulant, ces deux-là. Enfin bref, ta journée s'est passée comment? Je parie que t'as passé toute la matinée à jouer, vous les garçons, les jeux vidéo, je ne sais pas. On dirait que vous avez été ensorcelés. C'est vrai que les filles comme ça, il y en a aussi, mais franchement, les garçons, c'est sans pareil.
pareil. Et le pire, c'est que vous trouvez ça tout à fait normal.